Je suis là. Je suis là. Je suis Monsieur Lucien Oguincé, demandez à monsieur de se décoiffer. Dites-lui que ce n'est pas encore son tour. Il aura l'occasion de parler. Pour le moment, qu'il se retire dans la salle. Torba, D'accord, merci.
Chaka. Chaka. Ina a la fièvre. Allô. Yay boy. Magnifique. Ça va. Oui, ça va bien. Pas mon problème, j'ai le rhume. Mon guin est là. Wow. Mm-hmm. Dina n'est au Dakar. C'est leur émancipation, c'est le vote du premier code du travail en Afrique. C'est un éveil de conscience politique. Alors aujourd'hui, c'est tout cela que la Banque mondiale jette à la poubelle. C'est notre identité, votre histoire. Alors quel est le sentiment qui vous anime quand vous assistez à tout ce désastre? Mais non, tu es off, non, ça va être à côté. Je ne sais pas si tu es Je tarde ce soir. Bonjour, Boris, ça va? Bonjour, madame. Il est dit que la part du budget de nos États allouée aux services sociaux et aux services de la dette, c'est-à-dire au remboursement de la dette, s'établit comme il suit entre 1992 et 1997. Et on a pris quelques pays et je vais reprendre l'exemple de ces pays-là. Pour le Kenya, quand sur le budget national, on a pris 12,6% alloué aux services sociaux de base, c'est-à-dire à la santé, à l'éducation, aux infrastructures, on a consacré 40% du même budget au remboursement de la dette. Pour la Zambie, quand 6,7%
a servi à financer les services sociaux de base, 40% ont également servi à rembourser la dette. Pour le Cameroun, c'est encore pire. C'est 4% qui ont servi à financer les services sociaux de base et dans le même temps, 36% ont servi à rembourser la dette. Si je prends un exemple concret, sur 200 milliards de francs CFA du budget du Cameroun, seulement 8 milliards ont servi aux services sociaux de base et dans le même temps, 72 milliards ont été réexportés pour payer la dette. Que vous inspire ces chiffres, somme toute qu'on trouve quand même calamiteux pour les peuples africains? Tu vois ce gendarme-là? Ce sont les... Mokoté, hein? Moi, mon métier, c'est ça, criminologue. Et le baraka police, là? Enfin, c'est que je n'ai pas photo ou pas, quoi. Et... crime sous l'eau, qui era assassinat ou ni accident sous l'eau. Moi, le photo, là. Est-ce à dire, partant de ces propos des paysans burkinabés, qu'aujourd'hui, l'Afrique finalement accepte le jeu de la mondialisation et demande tout simplement que les règles du jeu soient équitables, transparentes et valables pour tous? Quand les rapports sont régis par le mensonge, et l'hypocrisie et le cynisme, parce que tout est fait pour cacher délibérément aux Africains la nature prédatrice du système. Et c'est cela que je dénonce en disant que l'initiative vient du Nord, mais la ponction est organisée localement avec notre propre complicité. Et maintenant, sont d'affalant des voix là, camarades ou filmés et tout. Aussi, ça, il y a un autre créneau. Mais ça, il y a au filmé quoi. Warbol. Le visage des gens qui parlent, ça ne m'intéresse pas. Tiens, t'as là. Je préfère les morts. C'est plus vrai. D'abord, je me lève en faux contre l'idée selon laquelle la principale caractéristique de l'Afrique est sa pauvreté. Elle est plutôt victime de ses richesses. Et je voudrais qu'on parle davantage de paupérisation et non pas de pauvreté. Parce que quand vous parlez de paupérisation, vous touchez du doigt les mécanismes. Et Bush est au centre de ce mécanisme. Bush est chef d'orchestre. Donc je ne vois pas en quoi et de quoi il se plaît. Moi, je dis que l'Occident s'est créé et s'est infligé deux peurs, le terrorisme et l'immigration. Alors, soyons sereins. Il faut cesser de continuer d'ériger les causes des maux en solution. Tout est aujourd'hui à vendre ou acheter. Quand dans un village, une femme malade peut mourir et pourtant l'infirmier qui a le médicament dans ce village refuse de la soigner parce qu'elle ne peut pas payer. On en est arrivé à ça. Finalement, c'est ce que nous avons retenu du système. C'est-à-dire, paye ou crève. C'est ce que l'Occident nous sert comme leçon et c'est ce que nous nous infligeons comme traitement. Et cela, moi je pense que ce qui est requis de l'Afrique aujourd'hui, c'est un sursaut, se ressaisir. On est embarqué avec l'Occident dans un idéal de société dont nous n'avons pas les moyens. Nous n'aurions pas dû brader nos services publics. Nous aurions pu développer à l'interne un système de contrôle des gestionnaires, exercer les pressions nécessaires quand il le fallait, dénoncer ceux qui s'enrichissaient. Parce que nous avons accepté que les nôtres, parfois, quand vous avez un parent à un poste, vous étiez bien content qu'il soit là pour se servir et vous aider. Comment nous réapproprier nos biens? C'est une question politique majeure. Ça y est, on était. Faut être sérieux, quoi faire? Je n'ai rien entendu. Le programme que vous avez proposé, c'est que l'on se ressaisisse. Voilà une belle idée, bien générale, bien abstraite, et qui ne fait pas un programme. Et je voudrais, après cette observation préliminaire, prendre deux exemples qui vont démontrer d'une manière éclatante que, au fond, vos idées... Maître, on peut aller à la question ? J'y vais. J'ai entendu, par exemple, Maître Tal donner des chiffres. Et vous avez approuvé ces chiffres. Quels chiffres ? Excellente consoeur, vous avez dit tout à l'heure, on nous fait cadeau de 54 milliards,
Et en réalité, nous avons à rembourser 436 milliards. Savez-vous, madame, le programme pour le Mali et l'abandon de 1,42 milliard de francs CFA qui représente 60% de la dette. Avez-vous connaissance de cette information? J'ai connaissance de cette supercherie qui a été décidée à Glen Eagles lors du sommet du G8 dans le cadre d'une prétendue annulation de la dette. Premièrement, nous nous considérons, compte tenu des taux d'intérêt pratiqués, que l'Afrique a fini de rembourser cette dette. Elle ne doit absolument rien à ces institutions. Deuxièmement, nous disons que la qualité désastreuse des politiques économiques dans lesquelles l'argent emprunté a été investi, qui n'a pas profité aux peuples maliens et africains, est plus un préjudice qui ne nécessitait même pas cette bonne action de la part du G8. Mais je veux surtout vous dire que ce 1,42 milliard, ce n'est pas de l'argent frais injecté dans l'économie malienne. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'argent frais pour pouvoir créer des emplois et pour pouvoir investir. Mais quand nous l'avons dit, parce qu'on n'a pas parlé de la corruption. Mais je pense qu'un bon usage des ressources qui sont les nôtres pourraient nous mettre à l'abri aujourd'hui de ce type de manipulation de l'opinion publique internationale qui consiste à dire qu'on a annulé alors que ce n'est qu'une fausse annulation. Ce que nous allons sauvegarder, c'est peut-être quelques milliards par an au titre du service de la dette que nous remboursons, c'est tout. Mais cette décision a plus contribué à soigner l'image du G8 qu'à servir l'Afrique. Donc quand on me dit que je n'ai pas proposé de programme, je ne prétends pas proposer de programme. Je voudrais seulement qu'une masse critique d'Africains en sache davantage sur pourquoi nous en sommes là. Monsieur le Président, je puis être d'accord avec le témoin, ce n'est pas la mission d'un écrivain de proposer un programme. Et je suis aussi d'accord sur le fait qu'un écrivain, eh bien, doit dénoncer ce à quoi il assiste, qui peut faire part de ses sentiments personnels, livrer ses réflexions. Mais tout à l'heure, madame, vous êtes sortie de ce rôle. Vous vous êtes posée ici, à cette barre, comme un expert. Vous êtes venue sur des questions précises, vous avez abordé le problème de la dette, vous avez dit que la dette appauvrit, c'est une discussion, et que l'abandon de la dette, et vous venez de le réitérer, eh bien, est sans aucune conséquence. Je suis citoyenne de ce pays, j'ai les pieds solidement ancrés dans les réalités de ce pays. Écrivain n'a rien de contradictoire avec une certaine expertise, précisément pour ne pas être malmené en cas de débat contradictoire par rapport à des questions que je sais et que je vis de l'intérieur. Mais cet argent est injecté en contrepartie. C'est pour forcer la main aux 18 pays afin qu'il aille plus vite dans la mise en œuvre de réformes structurelles qui profitent au Nord. Mais même, je ne me bats pas seulement pour les subventions, je me bats pour la possibilité, la latitude pour un pays comme le Mali de faire du coton, si c'est cela qui l'arrange, de ne pas en faire, mais de pouvoir vivre. Vivre, vous me direz pour vendre quoi? Et c'est toute la question est là. C'est pour ça que ce débat dépasse l'Afrique. Pourquoi assujettir le destin des peuples au seul fait de pouvoir vendre, produire pour vendre à l'extérieur? L'avènement de la Chine est une donne qu'il faut intégrer dans ce débat. Vos propres pays tremblent devant la Chine. Et que va faire le Mali? Donc moi je pense que la filière cotonnière est une filière terminée. De toutes les manières, les prix des produits aujourd'hui qui nous viennent de Chine, avec nos textiles qui sont copiés, il n'y a pas d'enjeu majeur pour nous dans ce débat sur le coton. Dans un monde irrémédiablement ouvert, il faut civiliser la mondialisation et lui donner un sens. Que pensez-vous de ce passage, de cet article? Est-ce que oui ou non, des progrès peuvent être faits dans le cours de la mondialisation? Est-ce que oui ou non, par exemple, si les normes qui sont en vigueur au sein de l'Organisation internationale du travail étaient généralisées, ce serait une bonne chose? Ou est-ce que ça encore, ça ne servirait à rien qu'à opprimer les Africains? Je me lève en faux contre le point de départ, le monde ouvert. Nous ne vivons pas dans un monde ouvert, M. Rapaport.
Je crois que ce que vous avez lu répond est tout à fait avec éloquence aux questions que vous posez. S'il y a lieu d'améliorer, de civiliser la mondialisation, c'est qu'elle décivilise, elle déshumanise. Vous me dites que les candidats africains à l'émigration, qui sont des réfugiés économiques, qui sont arrêtés, menottés, rapatriés, humiliés, que nous recevons aujourd'hui, si vous me dites que devant cette terrible réalité que le monde entier a regardé avec consternation, que nous vivons dans un monde ouvert, alors il est certainement ouvert aux blancs, mais il n'est pas ouvert aux noirs. Je suis désolée. Mais c'est pas moi qui le dis. Je suis désolée. Et ça, précisément, parce que cette situation est posée, le système est injuste. Aujourd'hui, si nos pays n'explosent pas, c'est précisément parce qu'au niveau domestique, il y a les femmes qui jouent un rôle considérable. Et c'est pour cela qu'elles doivent refuser d'être enfermées dans cette lecture classique, conventionnelle de leur situation qui consiste à dire qu'elles sont essentiellement victimes de leur culture, de leur société et de leurs hommes. Les hommes sont dans le pétrin, les femmes aussi. C'est ensemble que nous pouvons nous en sortir. Vous ne voulez pas ça? Non, ça va. Voilà. Le miroir, il est passé où? Le miroir est là. Allez-y, merci. C'est très joli. Tu vous feras un peu. Mais oui, oui. Vous dites tout ça. Qu'elle est plus sombre, là. C'est Gucci. Marque italienne. Où c'est marqué, Gucci? C'est de la bonne qualité. C'est mais marqué où c'est marqué Gucci? Je vous dis que c'est Gucci. Ah, c'est de la vous bonne me qualité. Dites, si c'est Gucci, c'est marqué. Absolument. Mais où Gucci. Où c'est des lunettes. Non, mais c'est pas marqué Gucci. Mais absolument. Falaï, tu sais que nous pouvons gagner tout le temps. Tout le monde. Parce qu'on repose là. On ne peut pas pisser tout le monde. Enquêteur Donana. À ce qu'elle est là. We speak again tomorrow. Yes. Madame, levez la main droite. J'irai de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Hakuna Allah. Qu'est-ce qu'il vient chercher? On est ensemble là-bas au Maroc. Pour le moment, on a besoin de lui. Vous allez vous asseoir. Allez vous asseoir dans la salle. Le Bouram Allah dit qu'il a quitté le Mali. On est en Espagne. Pour aller en Espagne. Maintenant, Niger fait. Il est parti par, il a passé par le Niger. Algérie.
Camille est à l'Algérie. Il est parti du Niger, il est parti en Algérie. Oui. Algérie, Algérie, est au Maroc. De l'Algérie, il est parti au Maroc. Bon, Marocain, il a un tatouage qui est au Soudan. Quand on a un carré, on a un tatouage qui est au Framan. Quand on a un tatouage, on a un tatouage qui est au Maroc. Bon, il y a un tatouage qui est au Algérie. L'Algérie, on a un tatouage qui est au Maroc. Quand on a un tatouage qui est au Maroc, on a un tatouage qui est au Maroc. On a un tatouage qui est au Maroc. On a un tatouage qui est au Maroc. Mais qui est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire. 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 Je suis Je ne sais pas si tu es un homme. 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 Madou Keita, comme il y a beau, il y a des gens qui ont été dégoûtés. Quand il sort là, Madou, il donne à l'école là qui est là. Quand il sort là, Madou, est-ce que Faso est froid de là qui est froid? Quand il sort là, Madou, Faso est barada il est là. Il est baragna il est là. Il est wardima. Il faut y aller. Et Fanawa, hein? Voilà, et tes miri, t'es assis. N'importe où, famille, il réfléchit à la jeter. À Dakar, il n'y en a où.
faut que tu aies un nom. Et que tu aies un nom de fin. Hein? Mais, il y a un reflet qui est là. Il y a un reflet. Faut que tu aies ça. Faut que tu aies ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Madame. Et pour regarder ça, il y a un peu. Madame, je vous en prie. Il y a un peu. Il a fait son devoir. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. C'est ce que je viens de faire là. Je vous en prie, madame. Non. Il fait son devoir. Soyons sérieux quand même. Il fait ça. Il est suspendu. Tout de suite, le film de la soirée. Quant à moi, je vous retrouve demain pour d'autres informations. Bonsoir à tous. Voilà quelques problèmes techniques, mais tout rentrera dans l'ordre dans quelques instants. Si vous voulez la place, toi.
Armanel Faranda Tony, Tony Bobo Kasima Yede, Mali Gobe, Agayekwa, Kuyikuna Kuyikuna Kuyikuna. Do you love John Henry? No. I really like this guy. You've done the rest together. It's a good job. Deux instits, c'est trop. T'épargnes les enfants. Ferdinand. Efficient. I know my. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mamu, on a une minute. Il faut nous garder pareil. Tantôt, il y a un bagage. Mais il y a un peu de planète. Oui, il y a un Thank you.
Je pars à Dakar dimanche. Mais sans Inna. Neko, moi j'ai donné une mélique. Fossi. Oui. Fossi, tu vois. La requête est mal faite. Elle est de mal faite. Ou à te ma mariée me fait effet. Ni qu'on me fait n'a pas eu mes mousseaux d'effet. On t'a une pointe. La cour. Les réalités sociales obligent. Nous allons interrompre un moment. Il n'y a pas de gens qui ont de l'argent au Mali. Et il n'y a pas des gens qui ont accumulé de l'argent. Des gens suffisamment riches et qui peuvent créer aujourd'hui des emplois dans le cadre de la création d'entreprises et les maintenir au Mali, je vous dis tout simplement qu'il n'y en a pas. Nous avons entendu un témoin, le directeur de la mutuelle, monsieur Awitara. C'est bien son nom. Ouattara. Et monsieur Ouattara nous a dit qu'une partie de l'argent qui était fourni par l'aide internationale n'était pas dépensé. Il n'a pas dit que c'était détourné. Il a dit que c'était là et que ça n'était pas utilisé. Alors de l'argent est fourni qui n'est pas utilisé alors que c'est tellement nécessaire. Pourquoi? Sur la déclaration de M. Ouattara, je ne m'affirmerai pas. Ça n'engage que lui. Même si j'ai une autre approche, une autre opinion. Attends, par rapport à ce qui vient d'être dit. Monsieur, ça n'est pas une question. Maître Papar, vous pouvez laisser le témoin répondre. Bien sûr, monsieur le président. Voilà. Monsieur Keita, en fait, Maître Rapaport, je m'excuse. Rapaport veut dire simplement que nos capacités de décaissement sont faibles. Très faibles. Voilà. Maître Rapaport, prenons les domaines les plus sociaux aujourd'hui et qui sont pratiquement dits fondamentaux également pour nous. L'éducation. Qui a vu jamais une école construite sur la base, en fait, de ce que vous appelez ici moyens financiers? Non.
On peut vous donner des chiffres, ça, monsieur. Ça, mais on ne va pas encombrer les débats. Ça a d'autres origines. Oui, maître Rapaport, c'est un témoin. Et les maternités. Ce n'est pas la partie adverse. On a de tout temps vu que c'est sur la base, quelquefois, des jumelages, d'une autre forme de coopération, que tout cela se passe. Dans le cadre même de la déconcentration ici et de la décentralisation, nous l'avons fait de façon surhumaine pour pouvoir au moins alléger nos souffrances. Et dans ces conditions, nous ne pouvons plus que s'assumer et rompre justement avec ce système. Avez-vous lu Lao Tzu, Confucius? Je ne l'ai pas lu entièrement. Des ébauches. Là, je marque un point, parce qu'il dit ceci. Oui. Qui est excessif est insignifiant. Nous gagnerions en toute chose à éviter d'être excessif. À vous entendre, nous, les États africains, nous étions des pays tranquilles, sans problème, prospère. Et puis sont venus la Banque mondiale et FMI, et puis nous sommes devenus pauvres. Et nous sommes devenus de plus en plus pauvres. C'est ça? Des États qui ont connu 100 ans, peut-être, ou même plus, de colonisation. Et à l'issue de cette colonisation aussitôt, qui se battent pour pouvoir réunir les conditions de leur développement, et qui se voient aussitôt mis face à quoi? À un dictat international, des institutions qui aujourd'hui régulent pratiquement tous les rapports mondiaux. Je ne vois pas comment est-ce que ces États, on peut les caractériser tels que vous l'avez dit au départ. Très bien. Vous avez prévenu, monsieur le professeur, que je n'étais pas un spécialiste de la matière. Ouais. Mais vous venez de me dire, j'ai bien compris. Nos États se caractériseraient, avec votre permission, pratiquement un peu comme le petit poème d'Aimé Césaire. Je vous le rends. La prière d'un petit enfant nègre. Exactement la même chose. Nous n'avons connu que le malheur d'un bout à l'autre. Et il s'aggrave. Est-il insensé d'imaginer que cette pauvreté qui s'est accentuée puisse avoir d'autres causes que l'intervention de la Banque mondiale et du FMI? Bien avant peut-être la colonisation, il y avait cet état en fait assez fourni, assez stable, et puis voilà, il faisait bon vivre. Mais la colonisation est venue, elle a institué quoi? Elle nous a tout pris. Les hommes, les richesses, tout. Grand pays producteur d'or, mais voilà, le citoyen le plus pauvre. Pour preuve, vous voyez bien que même nos femmes n'en portent pas en tant que bijoux. D'après vous, peut-on imaginer un monde sans fonds ni banque? Absolument. Si? Oui. Lorsqu'une personne décède en Afrique, et au moment de ses obsèques, l'une des questions que l'on pose à son sujet, c'est de savoir s'il doit de l'argent, ou lorsqu'on lui doit de l'argent, s'il y a des personnes dans la communauté qui lui doivent de l'argent. En Afrique également, on rappelle toujours que vaut mieux la mort plutôt que la honte. Les États africains doivent de l'argent. Est-ce normal que ces personnes réclament leur dû et que vous, en tant qu'expert, vous conseillez à ces États africains finalement de ne pas payer leurs dettes? Chaga. Non. Eh, Gamoukala. Fale. Est-ce que Israël l'ambassade de Bamako? Non. Tu sais qu'il y en aura un jour? Oui. Absolument. Le gardien, ce sera moi. Je suis bon. Je me douille.
Eh oui, Revraïla. Yafama. On se pose aujourd'hui la question de savoir, après 45 ans de coopération probablement avec ces États ou ces institutions, mais où est-ce que nous en sommes? Et il a fallu qu'on attende encore 45 ans pour nous rendre compte que nous n'avons jamais pu, dans ces conditions réunies, les conditions véritables d'un démarrage économique, encore moins d'un développement soutenu ou durable, mais que nous sommes plutôt dans l'anti-développement. Et la malnutrition, la sous-alimentation, l'analphabétisme chronique, le chômage chronique et le manque en fait de conditions décentes même d'habitat, que nous le voyons, c'est la promiscuité. C'est impossible quelquefois à décrire. Et qui entraîne quoi? Ben, la dégénérance totale en fait des fondements qu'ont représenté les valeurs cardinales en fait de nos sociétés. Et à cela, il faut encore ajouter ce grand courant d'informations que nous recevons et que eux ils ne reçoivent pas de nous, qui annihile quelquefois toute notre approche à vouloir nous maintenir tels que nous sommes. Parce que même dans notre imaginaire, nous sommes déjà violés. On ne nous prend pas seulement nos ressources, on ne nous prend pas seulement notre travail, on ne nous prend pas notre argent, mais on nous prend notre conscience. Nous sommes aujourd'hui au dernier seuil des pulsations humaines. Et voilà que de façon encore tendancieuse, on vient aujourd'hui constater un échec. Et en le constatant, on se dit non, il faut maintenir chaque fois l'ultralibéralisme comme mode réel de développement de ces pays. Autrement dit, les empêcher chaque fois de faire des déficits de paiement. Ce qui supposerait que tout l'argent que nous recevons en réalité doit servir à rétablir et à maintenir notre solvabilité par rapport justement à nos créanciers. Et le reste ne peut même pas servir dans une économie nationale. Nous payons beaucoup plus que ne constitue aujourd'hui le montant réel de nos budgets. Ce cadre d'intervention aujourd'hui créé par la Banque mondiale va servir finalement à quoi? Juste à étouffer le feu qui couvrira toujours. C'est le feu tout simplement de l'indigence imposée. C'est le feu, en fait, d'un colonialisme terrible. C'est le feu d'une exploitation qui ne porte même plus de nom. Et c'est la disparition, en fait, de certaines nations. On maintient tout juste aujourd'hui dans ce système international. Si nous y allons pour participer, c'est tout juste parce que nous sommes des bons petits marchés et des pourvoyeurs d'argent. C'est nous qui donnons tout aujourd'hui à l'Amérique du Nord. Et c'est nous qui donnons tout à l'Europe. Et que encore dans le viol de l'imaginaire, de la petite conscience qui me resterait et que je pourrais me faire de moi, qu'on vienne me dire que mais le nègre, justement, alors il est paresseux. Il ne peut pas, de façon autonome, se développer. Mais ce nègre que vous êtes en train de meurtrir dans sa chair par des rouages économiques et financiers a fait justement les fondements de votre économie. Et ce nègre a assuré votre développement. Aujourd'hui au Mali ou dans ces pays, vous tombez malade, vous n'avez pas de sous. Mais vous êtes mort. Tout ce qui se passe chez nous comme démocratie, comme scrutin et autres, mais c'est du théâtre, c'est le grand théâtre. Nous allons quelquefois aux urnes en votant, c'est comme si nous n'y étions pas. Et tant que cette forme de légitimité extravertie de nos pouvoirs resterait,
Les intellectuels, ils l'ont fait. Chacun a ses raisons. Moi, je ne jugerai personne. Mais je crois que chacun a eu son petit moment de veille. Et chacun a fait un choix délibéré en ce moment. Ou je reste derrière les idéaux véritables de mon peuple, ou directement, je le brade. Parce que c'est ce que font beaucoup de nos gouvernants. Voilà leur part de responsabilité là-dedans. Je crois qu'il fallait peut-être que je reste là-bas. Cela valait peut-être mieux à l'époque pour moi que de venir travailler dans une administration malienne corrompue, pourrie, et puis qui n'a aucune responsabilité. Et à peine on se demande. Alors, pourquoi est-ce que nous percevons un salaire pour un travail que nous n'effectuons pas? Et du jour au lendemain, on régresse par rapport à des objectifs que nous avions, où nous étions en train d'atteindre autrefois. Aujourd'hui, on nous a tout enlevé. Je ne sais pas que la pauvreté pouvait jusqu'à ce point, imposée soit-elle, changer la nature humaine. Il m'est peut-être loisible de vous l'affirmer que dans la rue, quand je sors chez moi, soyez sûr que je ne rencontre pas des Maliens. Je vois tout au Mali sauf des Maliens. Un homme qui a faim, un homme qui est mal soigné, un homme qui n'est jamais instruit, éduqué, dans l'obscurantisme le plus total, c'est un homme qui va se nier et se renier facilement. C'est un homme qui est prêt à s'aliéner, à s'oublier, à s'adonner. This morning, I want to bring up your faith. Ce matin, je veux vous parler concernant la foi. That whatever you believe, tout ce que vous croyez, you get immediate answers to your problems. Nous avons des réponses immédiates à nos problèmes. We are going to do something to show that we love the Lord. Nous allons faire quelque chose de montrer que vraiment nous aimons le Seigneur. I want us to just shout hallelujah to him in a locomotive way. Chantons hallelujah dans une locomotive. Amen. Amen. Are you ready? Vous êtes prêts? Open your eyes. Ouvrez les yeux s'il vous plaît. As I go, you go. Quand le pasteur va le faire, nous allons faire la même chose. Alléluia. Says, la Bible dit, I will go before you. J'irai devant vous. I make every crooked way straightened. Et tout chemin ou bien tout voie tordue, so, je vais les mettre tout droit. You are going to pray by faith. Nous allons prier avec la Father, Père, make every crooked way before me straightened this morning. Tout chemin devant moi tordu, que ça soit tout droit. Lord, Papa, every wall that is against me, tout montagne contre moi. Every war that is against me. Toute bataille contre moi. Father, Père, we will thank the Almighty God. Nous allons remercier le Tout-Puissant. The one who has allowed you to see this day. Celui qui t'a permis de voir ces jours. The one who has not allowed you to die in the night. Que tu n'es pas mort au cours de la nuit. Lord, be willing, change my life today. Seigneur, sois gentil de changer ma situation. Let's go ahead to pray. Prayons. Father, in the name of Jesus. Lord, make every crooked way before me this morning. Make them straighten. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Baby?
Tello. Le témoin Samba Diakité. Vos noms et prénoms, s'il vous plaît. Samba Diakité, né à Dakar, 1953. Quartier Amdalaï. Votre profession? Un ancien instituteur. Ancien instituteur. N'avez rien à déclarer? Votre date et lieu de naissance? Je suis née à Bamako et j'ai 52 ans. Vous savez au moins qui vous a cité pour venir déposer comme témoin? Tout à fait, la partie civile. Oui, la partie civile, c'est la société civile. Oui. Et de l'autre côté, nous avons les institutions financières internationales. Oui. Est-ce que vous avez des liens de parenté ou de subordination avec l'une quelconque des parties? Aucun lien. Vous allez lever la main droite, jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite, vous dites je le jure. Je le jure. Samba Diakité. Ouais. Arrête-toi. Mais les arbres, c'est nécessaire pour la vie. D'accord, mais pour faire fonctionner une entreprise, on n'a pas besoin d'arbres. Bien. D'accord. Marfa, ton adom n'est tout meilleur. On est meilleur. Elle m'a bougé. Ah, il m'a bougé. Pourtant, on a fait que bouger à Ouagati Dolan. Nous avons une moto qui est en Japon. Qu'est-ce qui est en Yasso? Aïe, Masso. Il est en Soro Biro Lash. Quand on fait le bilan, cet argent dilapidé, ce patrimoine public bradé, ces familles ruinées, quel sentiment ça vous inspire aujourd'hui? Un sentiment de honte, de rage. De rage et de compassion. Compassion pour le pays.
quand on voit des villages riverains qui ne vivaient que par le chemin de fer, qui sont obligés aujourd'hui, des villages qui ont existé 100 ans, qui sont obligés aujourd'hui de quitter les lieux parce que le train ne s'arrête pas, parce que la vie dans ces villages-là, c'était parce que la régie existait. Donc quand ces villages-là sont obligés de se déplacer, quand pour s'approvisionner, les habitants sont obligés d'aller à dos d'âne, à charrette ou à pied, et que les jeunes qui faisaient du maraîchage ne pouvaient plus les vendre, parce que c'était aux passagers du train qui les vendaient. Donc, qui vont à l'exode. Et que de l'autre côté, on les chasse. Alors, c'est la désolation. Et quand vous écrivez le 4 novembre 2002 au ministre de l'Équipement et des Transports, vous portez une accusation très grave. Je vous lis, vous dites, s'agissant de la régie, elle est victime de complot. Et cette accusation de complot, j'imagine qu'elle est documentée aussi. Qu'est-ce que vous avez comme élément pour étayer cette très grave accusation que vous portez d'un complot dont aurait été victime la régie? Taisez-vous. Maître Rapaport. Monsieur le Président, depuis quand est-ce qu'on peut faire je veux pas. Maître Rapaport, je veux pas. On parle de complot, c'est la première fois. Le témoin n'a non, pas. Non, le témoin a bien parlé de complot au départ. Là, non. Le primitif peut. On peut se référer au primitif. Je confirme que j'ai parlé de complot. En effet, il y a une lettre qui est tombée, adressée à des autorités, disant que si on refusait la privatisation du transport, la Banque mondiale va cesser de financer et de subventionner et la santé et l'éducation en République du Mali. C'était une lettre confidentielle. Il ne suffit pas, devant une cour, de venir dire « il y a un complot ». Comment le savez-vous? « Ah, j'ai vu une lettre ». Et qu'est-ce qu'on vous donne comme preuve du complot? Par exemple, est-ce que c'est la Banque mondiale qui est responsable de ce qu'un directeur achète des BIC en les payant 1500 francs alors qu'on pourrait les trouver 500 francs? Est-ce qu'on croit véritablement que la Banque mondiale intervient à ce niveau-là? Ou est-ce que la Banque mondiale fait en sorte que le directeur plante des maître, arbres? Plutôt, j'ai fini. Non, c'est pour des questions ou c'est pour plaider? Mais c'est quoi ces attendez, monsieur le Président, pardonnez-moi. Si c'est pour des de l'autre côté, vous aurez l'occasion de plaider, maître Rapaport. Côté, on fait semblant de poser des questions, on développe des argumentations, nous sommes très discrets, nous intervenons très peu. Il nous est quand même permis de dire qu'avant de porter les accusations d'une telle nature devant vous, il faudrait qu'elles soient étayées sur quelques éléments, qu'on s'attaque aux responsabilités, à ceux qui ont géré, je crois, monsieur le Président, vous avez posé des questions tout à l'heure, qui montrent que vous avez quelques notions et quelques informations à propos des raisons qui ont conduit à la déconfiture. Je vous en prie. Je ne quête pas. Maître Bourdon, je vous en prie. Je ne suis pas à la recherche de votre approbation. J'essaye d'attirer votre attention sur des éléments simples. Pourquoi la Banque mondiale voudrait-elle que le Mali soit privé de moyens de communication et pourquoi voudrait-elle que ses habitants ne puissent pas voyager? Un pays qui n'a pas sa communication, qui n'a pas son énergie, qui n'a pas son transport, difficilement peut s'appeler un pays souverain. Et ce sont justement ces domaines que les multinationales veulent nous retirer. C'est ça. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on se laisse faire. C'est difficile, mais je suis plus optimiste que l'enfer. Je sais qu'on va y arriver. Il suffit de s'organiser. Foudé, ne fais rien. À ce témoignage, la requête. Requête par rapport. Jean-Paul. Oui.
C'est pas comme ça que ça se pose juridiquement, attendez. Le témoin prête serment. Il va vous donner des leçons, monsieur le maire. Mec Bourdon va vous donner des leçons. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais très bien. Pas du tout, c'est un débat. Pas du tout. Allez-y. Le témoin, après avoir prêté serment de dire la vérité, et après avoir juré, dit qu'elle a eu connaissance incidemment et fortuitement d'un courrier qui, évidemment, ne lui était pas destiné, n'aurait jamais dû passer sous son regard, et qu'elle a pu avoir connaissance de ce courrier. Il y a quelque chose d'extrêmement cynique, mais qui rejoint bien d'ailleurs le cynisme général de la banque, qui consiste au fond à dire « Mais madame, vous plaisantez, cette lettre ne peut pas avoir existé, et puis si vous l'aviez entre les mains, vous auriez dû la photocopier, la distribuer à la presse malienne. Mais quel risque aurait pris cette femme d'être peut-être embastillée ? Pour des années, vous êtes bien placé pour le savoir. C'est un risque. C'est un risque très important. On ne peut pas lui demander non plus de jouer les Antigone pour l'éternité. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a aucun élément qui vient récuser la crédibilité de ces témoignages. Très embarrassant pour la Banque mondiale. La loi dit qu'il incombe à chaque parti de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. L'autre jour-là, vous me disiez que le plus grand préjudice de la politique de l'ajustement structurel était
la destruction du tissu social. A Europe paix de effacer le boulot. Est-ce qu'il sera au reprendre? Où est-ce que vous avez dit? Il va sur un procès de Kakango. Comme Kassedou Kungacha, ne m'a pas donné. Je suis en train de me faire. Cet honneur, mais en tout cas, c'est pour nous une très grande responsabilité. Car nous savons que le public, et comment en serait-il autrement, les déflatés, les compressés qui sont ici, qui vous ont exprimé leur souffrance, sont de tout cœur avec la partie civile. Et nous avons bien aperçu que les sentiments de la cour ne sont pas très éloignés de ceux de la partie civile. Alors c'est donc une très lourde responsabilité. Que du côté des institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI et les autres que vous avez nommés, on serait sourd et aveugle. Sourd et aveugle, et aussi si l'on suit les raisonnements et les développements auxquels j'ai assisté, meurtrier. Meurtrier même par préméditation, puisque on nous reproche des événements qui sont vrais et que nous déplorons hautement. La mortalité infantile est en hausse en Afrique. C'est une atteinte à ceux qui nous suivront. Est-ce que vous croyez que pour les institutions internationales, ce sont là des résultats que nous recherchons? Voulons-nous véritablement que l'espérance de vie dans les régions d'Afrique baisse et passe sous la barre des 50 ans? On meurt de diarrhée en Afrique, on meurt du paludisme depuis longtemps, et ça n'est pas notre responsabilité, mais on continue à en mourir. Et quelqu'un a pu dire, les médicaments sont au nord et les malades sont au sud. Même si nous étions guidés que par des intérêts égoïstes, nous ne pouvons pas vouloir rechercher de tels objectifs, et c'est pourtant, et nous le savons. Et nous le savons pourquoi? Parce que nous avons contribué, avec, en coopération avec les gouvernements, à faire un état des lieux pour déterminer ce qu'il convient maintenant. Il faut tout de même qu'on évoque une question qui ne concerne pas seulement l'Afrique, mais qui, pour l'Afrique, est particulièrement pénalisante. Je veux parler de la corruption. La corruption n'est pas une catastrophe naturelle, c'est un pillage froid et calculé. Alors, loin de moi l'idée que la corruption sévirait seulement en Afrique. Nous savons parfaitement qu'en Occident, les grandes sociétés, Total et le pétrole, Thalès et la politique des armes, sont aussi dans le cycle de la corruption. Mais permettez-moi de vous dire que tout de même il y a une différence. Laquelle? C'est que la corruption en Afrique, compte tenu de la situation du développement économique, en Occident, la corruption, il faut la vaincre, il faut la combattre, mais elle pèse moins dans le développement économique qu'elle ne pèse ici en Afrique. Voilà que les glaciers fondent aux pôles. Voilà
que l'eau va se déverser, que restera-t-il de ces glaciers dans quelques décennies? Voilà qu'on a du mal à respirer dans certaines de nos grandes villes. Est-ce qu'il n'y a pas là des intérêts communs qu'il faut gérer ensemble et où il n'est pas possible d'échapper au traitement de ces questions? Est-ce que, dans le même temps, nous n'assistons pas à la prolifération des armes? Que savons-nous de ce qu'il adviendra si un jour un potentat quelque part a accès à la bombe atomique? Et est-ce véritablement impossible? Et il y a un danger, tout le monde l'a évoqué ici. Il traverse tous les continents, il a frappé tous les continents. L'un de ses aliments, c'est évidemment la pauvreté. Et le terrorisme est d'un danger, pas seulement pour l'Afrique, pour nous tous. Et nous voulons le combattre. Et il n'y a pas de combat réussi contre le terrorisme sans succès contre la pauvreté et sans espérance de vie donnée à ceux qui l'ont perdu aujourd'hui. Merci, Maître Rapaport. Mais avant de continuer, je voudrais vous demander si vous estimez-vous encore que la Cour est partiale? Je puis comprendre. Monsieur le Président. Dans vos propos. Monsieur le Président, avant d'être des magistrats, vous êtes des hommes et des femmes. Et vous êtes évidemment sensibles, tout particulièrement aux souffrances de votre peuple, dont vous connaissez les causes et les raisons. Et quand vous les voyez s'exprimer ici, devant vous, eh bien, votre cœur souffre et votre pensée va vers eux plutôt que vers nous. Et je ne considère pas qu'il s'agisse là d'une partialité anormale. Vous êtes la femme de Chaka? Pourquoi? Non, justement, c'est pour vous poser une ou deux questions. Si c'est pour l'affaire du pistolet, je ne sais pas. Malo qui fait que nous faisons un malin. Malo qui fait que nous faisons un malin.
C'est évidemment un immense honneur que de défendre la société africaine. C'est un immense honneur de défendre des millions de femmes et d'hommes d'honneur qui ont été tous ces derniers jours magnifiquement incarnés et qui sont venus dire enfin que le monde, depuis qu'il existe, s'est toujours organisé pour que la partie du monde qui souffre et qui subit se taise et reste silencieuse. Et pour que le continent africain reste silencieux dans sa souffrance, il faut évidemment des gardes-chiourmes. Il faut des gardiens de camp, parfois. Des gardes-chiourmes, c'est-à-dire l'Empire américain et ses affidés, ses sous-traitants européens et ailleurs. Il faut des docteurs Diafoirius, des docteurs Falamour, qui prescrivent des ordonnances qu'évidemment les Africains ne savent jamais lire et ne respectent jamais. Des ordonnances, soi-disant potions magiques, qui se révèlent rapidement, des poisons qu'on distille à merveille, poisons chinois, et d'ailleurs peut-être que demain, les Chinois vont s'y mettre, et le mal sera alors absolu. C'est dire si, me semble-t-il, il n'y a guère difficulté pour que votre cour déclare coupable la Banque mondiale et les autres, ses complices, l'association de malfaiteurs. Il n'y a guère de difficulté parce que le bilan est évidemment effrayant. Les chiffres sont meurtriers et les statistiques assassinent. Il suffit d'adosser et de se souvenir que, pendant la période de 20 ans écoulée, où les premiers plans d'ajustement structurel, et on va le voir rapidement, des plans de destruction, d'appauvrissement structurel se sont mis en place. À côté, les statistiques parlent et sont éloquentes sur la tragédie qui se déroule devant nous. Le taux moyen d'espérance de vie a tragiquement baissé 46 ans aujourd'hui, qu'on ne cesse de manipuler le sida cyniquement pour oublier que, par ailleurs, ce taux de mortalité, s'il augmente, il est lié évidemment à la baisse importante, significative, du revenu par tête d'habitant en Afrique. Bref, la messe est dite. La messe est dite, les plans d'ajustement structurel ont globalement échoué. Ces 50 millions d'enfants africains dont la mort est programmée pour les 5 prochaines années. Ces 3 millions de morts de paludisme qui sont programmés pour l'année prochaine. Et on va dire, face à ces chiffres meurtriers, que la Banque mondiale et les autres ont sans doute triomphé. On ne peut pas le dire, et on ne le dira pas. Et on le dira d'autant moins que les plans d'ajustement structurel, de toute évidence, ont mis l'Afrique dans un cercle vicieux, mais aussi un cercle absurde. Et ce cercle vicieux, il a commencé, vous le savez, la Cour l'a parfaitement compris, par la dette. La dette qui est comme une pierre au cou de l'Afrique, la dette qui est comme le signe de l'allégeance de l'esclave à son maître, la dette dont les chiffres parlent d'eux-mêmes, 220 milliards de dollars en 2003. La dette dont on sait par les dernières statistiques, Monsieur le Président, Madame de la Cour, que si 4 dollars par tête d'habitant ont été remboursés, 4 dollars restent encore à payer. Et que de toute évidence, cette dette, elle a mis à genoux et elle met à genoux l'Afrique parce qu'elle lui vole sa souveraineté financière et son indépendance économique. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a démantelé sa fonction publique. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a obligé l'Afrique à brader ses services publics au mieux des intérêts des prédateurs financiers. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a mis par terre certains de ses hôpitaux publics. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a privatisé l'école par la faiblesse des revenus conférés aux fonctionnaires publics. Elle a mis à genoux l'Afrique et l'Afrique devient ainsi le miroir sinistre de ce que le monde est en train d'écrire, c'est-à-dire un monde privatisé. Et dans ce monde qui se privatise devant nous, la Banque mondiale, qui devrait être la banque de l'humanité, est devenue la banque de l'inhumanité. Cette Banque mondiale est devenue la banque de l'inhumanité parce qu'elle est devenue le cheval de Troie du capitalisme financier. Alors évidemment, on nous dira que la corruption est partagée entre les Africains et les Européens. Mais va-t-on dire tout à l'heure de l'autre côté de la barre que les Africains ont inventé la corruption,
Va-t-on dire qu'il y a un corridor de zone de la corruption en Afrique? Va-t-on oublier que les corrupteurs viennent des pays riches et jamais des pays pauvres? Va-t-on oublier que les pays du G8 n'ont contents de mettre à genoux l'Afrique et la Banque mondiale brocardent ensuite l'Afrique en les menaçant de suspendre toute aide publique parce qu'ils sont devenus les pays les plus corrompus de la planète? La boucle est ainsi bouclée. On confond la cause et la conséquence. Le meurtre ici se dédouble avec sa facette sinistre, le cynisme de la Banque mondiale. Alors, loin de nous l'idée, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, de prétendre que la Banque mondiale, comme le dieu Moloch, se nourrit des enfants africains. Loin de nous l'idée de dire que la Banque mondiale déteste le potable et le rail public. Évidemment que la Banque mondiale n'est pas animée par un instinct de meurtre. Mais la Banque mondiale est simplement la pierre cardinale, le centre de gravité de ce capitalisme qui a perdu la tête parce qu'il est devenu un capitalisme financier, un capitalisme prédateur, c'est-à-dire un capitalisme qui ignore l'intérêt général pour organiser ce qu'il souhaite par-dessus tout, fabriquer des profits à perpétuité. Car la Banque mondiale cherche évidemment de temps à autre à s'humaniser. Et je vais donner un exemple de l'humanisation formidable de la Banque mondiale. Qui a dit il y a quelques jours à Paris, avec des larmes de crocodile, chaque semaine, 200 000 enfants malades de moins de 5 ans meurent dans le monde en voie de développement. C'est Paul Wolfowitz qui l'a dit. Vous savez, Paul Wolfowitz, celui qui a conceptualisé la guerre en Irak, dont le coût est supérieur au coût qu'il faudrait mettre pour organiser de l'eau potable dans toute l'Afrique et sauver tous les malades du sida en leur offrant à tous des génériques. C'est lui qui a fait semblant de pleurer dans une tribune à Paris il y a quelques semaines. Alors cessons ce bal des hypocrites. Cessons ce bal maudit des prédateurs. Arrêtons-nous un instant sur les derniers arguments de la Banque mondiale. Il y aurait une malédiction sur l'Afrique. Et c'est ce miroir épouvantable que l'Europe réfléchit sur l'Afrique et qui, de temps en temps, pollue quelques cerveaux, tue les consciences critiques. L'Afrique serait vouée au malheur. La pauvreté y serait aussi naturelle que le génocide tropical, l'esclavage, le néocolonialisme. Et cette espèce de fatalité, on la trouverait également dans cette certitude, l'Africain est toujours ignare. Et d'ailleurs, que n'a-t-on entendu de l'autre côté de la barre il y a quelques jours, quand Mme Souko a déposé, et elle a eu le toupet, Mme Souko, de dire qu'elle savait lire un bilan. Femme savante, a-t-on dit de l'autre côté de la barre. Femme savante, mais oui, les Africains, la complexité du monde, elle est irréductible pour eux. Ils n'y connaissent rien. Et puisqu'ils n'y connaissent rien, ça permet de disqualifier et de délégitimer tout esprit critique, cet esprit critique que courageusement on a entendu il y a quelques instants du côté de la barre. Alors oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale d'avoir abusé de la confiance du peuple africain. Oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale de non-assistance à peuple en danger. Oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale de ne pas avoir respecté son mandat d'origine, c'est-à-dire servir l'humanité. Et ce faisant, vous allez réouvrir la voie de l'utopie que chacun de nous voit de l'œil intérieur et qui permet de dessiner un monde nouveau derrière les collines. L'utopie qui est en quelque sorte ce bélier africain qui vient se frotter et déchirer le froc de la raison d'État du marché. L'utopie demain pour éviter ce qui se prépare dans les banlieues d'Accra, d'Abidjan et du Caire, c'est-à-dire que des gamins ivres de pauvreté et de souffrance, ce demain se transforment en boules de feu. Vous allez donc déclarer coupable la Banque mondiale de redevenir une banque de l'humanité. Vous allez déclarer coupable la Banque mondiale pour les crimes d'inhumanité et du cynisme qu'elle commet depuis 20 ans. Et évidemment, la seule peine possible, c'est la peine la plus modeste, c'est la peine la plus douce. Car Paul Wolfowitz, on ne va pas le jeter dans le Niger, les Caïmans n'en voudront même pas. La peine qu'il faut prononcer, et c'est ce que nous vous demandons, c'est des travaux d'intérêt général pour l'humanité à perpétuité. J'ai l'insigne honneur de comparaître devant votre juridiction pour prêter ma robe à la défense d'une noble et juste cause, mais surtout prêter ma voix aux 100 voix d'Afrique qui depuis 25 ans
subissent la loi terrain de l'ajustement, cette loi du plus fort qui jamais n'a su être la meilleure. Oui, Monsieur le Président, l'ajustement est un mal organisé, structuré, administré et inoculé à nos peuples. Ce mal, Monsieur le Président, c'est le cynisme de la dette, le cycle vicieux de la dette. Cette dette qui a fini de ruiner nos économies et qui nous a aspiré toutes nos forces vitales alors qu'on n'a pas encore fini de payer. Que faut-il faire devant la violence de la dette? J'entends les Latino-Américains. Ils nous ont dit, Monsieur le Président, la deuda es impagable. La dette est tout simplement impayable. Oui, Monsieur le Président. Elle est impayable parce qu'elle est illégitime. Elle est impayable parce qu'elle est violente. Elle est impayable parce que tout simplement, elle est insoutenable. À la violence de la dette vient s'ajouter le bradage de nos biens publics, de nos services sociaux de base, la privatisation. Après avoir privatisé la santé, alors que entre juin et septembre 2005, 42 000 personnes sont mortes du choléra, cette maladie du Moyen-Âge qu'on croyait à jamais éradiquer de nos villes et de nos campagnes. Mais qu'on n'aille pas plus loin, Monsieur le Président. Ici, dans cette chambre, gît et gémit un malade. Entendez-vous sa complainte? Elle m'est parvenue aux oreilles et nous privatisons la santé. Ce n'est pas fini. On privatise l'éducation. Conçue comme un droit universel, l'acquisition du savoir et de la connaissance, qui doit être la chose la mieux partagée. Pendant que deux tiers de nos enfants sont analphabètes, on nous demande de payer pour acquérir le savoir et la connaissance. Ce n'est pas fini, Monsieur le Président. On a privatisé, on a bradé nos services publics. Comment privatiser l'eau, Monsieur le Président? Le Djoliba, le Sénégal, le Zambèze, le Limpopo, nos fleuves, privatisés avec nos contes, nos légendes, nos traditions, enfuis dans les courants, dans les rivières et dans nos lacs. Cela n'est pas admissible. Ce peuple, c'est la veuve qui pleure la mort prématurée de son mari, enfui sous les décombres de l'ajustement. Ce peuple, c'est l'orphelin qui réclame le sein de sa mère, emporté dans les couches, alors qu'il exigeait tout simplement un dû, les soins primaires de santé. Ce peuple, Monsieur le Président, c'est le père de famille, ce compressé du rail, ces messieurs que vous avez entendus, ces dames qui vous ont supplié à votre bar. Le père de famille qui a vu son autorité, qui a vu son influence, qui a vu sa dignité diluée et emportée par un licenciement injuste. Ce peuple, Monsieur le Président, c'est enfin Zegué Bamba. Avez-vous, Monsieur le Président, entendu la complainte de Zegué Bamba? Ce paysan qui vous dit, mais pourquoi comme alors je ne sème pas? Pourquoi quand je sème, je ne récolte pas? Et pourquoi quand je récolte, je ne mange pas? C'est cette Afrique, Monsieur le Président, qui vous demande dignement, humblement, modestement, mais légitimement justice, Monsieur le Président. Alors vous la lui rendrez, sa justice à l'Afrique. Vous la lui rendrez, non pas en condamnant la Banque mondiale, non. Vous la lui rendrez tout simplement, Monsieur le Président, en renvoyant la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, le G8, tous leurs affidés et leurs complices à leur mission première, celle-là qu'ils n'auraient jamais dû oublier et qui met l'homme comme finalité de toute action humaine. Il vous appartient, Monsieur le Président, vous, par votre plume, qui rendra la décision. Il m'appartient, moi, par la robe que je porte. Il nous appartient à nous tous, parce que c'est notre devoir de génération de provoquer et de précipiter l'avenir de ce jour. Car il y va de l'équilibre du monde et de l'avenir de l'humanité.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
sa ai coro soluna yo ala no se no no ni no piso bemero ali con canga de ve pero po brozo do beme ni ro we que ven ali con canga de ve pero po brozo do beme ni ro se ve lo mande le ro a bon do pokige se ve dan mande le wabo a bon do pokige we que le me de toco docteur mené en entend là et we que le me de toco ingénieur et il a et we que le me de toco ni quoi si pour ou pour gagner et we que le me de toco j'ai gagné un ou pour gagner et we hinge te au ton dio ni quoi maman vous ou y'a que maman vous pémion et we hinge te au ton dio Akbama bosu ya bambu kimiyo Ukponyi ukpondo bonda sino fele tao do Ukponyi ukpondo bonda sino fele tao do Bom no no bene bene na le koi se bogo beno mio Se on no no bene bene we be kudu we di wana so we mo We be bulwe Et table no yami yamambo Se we go do malu mileji Et table no yami yamambo We go do